On est mal et même maudit. Il faut du Harry. RS Quattro ou Ferrari. Je fais appel de phare, c'est sur la voie de gauche que je vais rester calé. Guette comme mon mani, ça grille les feux rouges dans tout Paris. Je prends virage à gauche, je prends virage à droite, mais je ramène le produit, le produit. Que dans mon compte en banque, dans mon compte de l'entreprise, il manquait plus de 2,5 millions de dollars, monsieur le président gouverneur de l'État. C'est vrai ça? Oui, monsieur le président gouverneur de l'État. Quand est-ce que vous avez constaté cette disparition? Aujourd'hui là, aujourd'hui. C'était la recette de la semaine dernière. Comment ça? Les 2 millions, c'était la recette de la semaine dernière. C'est tout cumulé depuis le début de l'entreprise. Parce que avant que qu'on note les impôts et tout, je sais pas quoi, mon entreprise était déjà ouverte. Donc cela, je les ai pas déclarés. Je suis vraiment pas content, hein. Mais vous vendez beaucoup de motos, monsieur Brabus? Mais monsieur, un T-Max, ça coûte 2 millions de dollars, j'en ai vendu 2. Donc forcément, j'ai de la trésorerie. Pour le coup, maintenant, non. Mais parce que bon, vous êtes quand même passé de 600 000 à 2 millions en l'espace de quelques jours. Ouais, ben forcément, si je vends un T-Max, monsieur le gouverneur, il me semble que mathématiquement, ça se tient. Et t'as compris le but du jeu? C'est-à-dire que de moi, quand, 1 à 10, d'accord. Quand je vais dire 1, 2, 3, on dit le nombre auquel on pensait en même temps. Ok. Vas-y, okay, c'est t'es bon. Prêt ouais. Vas-y, Bill, pour combien tu dis au capitaine que sa mère c'est une pute? Pour 10. Ok, t'es prêt? 1, 2, 3, 4. Reverse! Mais non, mais c'est pas possible. J'ai gagné! Il est trop con! J'ai gagné! C'est toi, tu vas. Donne-moi 10 000 dollars là maintenant. Tu comprends? Axel, tu comprends maintenant pourquoi je veux pas patrouiller avec lui? Il est trop con. Je comprends. Donne-moi 10 000 dollars. Mais casse ta mère, gros, t'as rien gagné, espèce de con! Mais j'ai dit reverse! Oh, Mason, pour combien tu dis en radio nique sa mère? Vas-y, j'ai dit reverse! Oh, Mason, pour combien tu dis en radio nique sa mère? Vas-y, pour 5. Pour 5. Je suis mort. 1, 2, 3, 2. Oh! Let's go! Allez, ah, Mason. Regarde. Mais toi, tu crois trop que c'est un truc de fou, regarde! Nick! Radio. Vas-y, t'es prêt? Regarde bien, hein. C'est bon. Regarde bien. Endix sa mère. Billy, c'est tout. Attendez, capitaine, c'est pas moi qui dis ça quand même. Billy, vous êtes où? En plus, je suis venu au PDP dans votre bureau, comme capitaine, vous étiez pas là, c'est quoi ce délire? J'arrive, restez là. Ah bon, bah j'arrive. T'es mort. Vas-y, c'est trop direct, Billy, t'as vu? C'est ça qui tombe mal dans ce commissariat, il y a trop. Putain, vas-y, c'est bon. Putain. Vas-y, de toute façon, c'est un taf de fils de pute, fait par des fils de pute pour des fils de pute, c'est bon. Comment ça, pour des fils de pute? C'est médecine, hein. Alors, moi pour ma gouverne, j'ai déjà joué à Docteur Maboule. Est-ce que ça compte? Tu vois, ça c'est un. C'est quoi ça? C'est ma gueule là? Non, ce que je veux expliquer, c'est que en jouant à Docteur Maboule et en jouant aussi à des jeux d'opération sur jeu.fr. T'auras Maboule dans tes dents, tu vas comprendre. Alors, s'il vous plaît. Alors, déjà d'une, s'il vous plaît, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas de cette orientation là. Je n'accepterai pas votre couille au sein de mon orifice ni au sein de mon. De ma bouche, oh, hein, tout simplement. Plus. Maintenant, je dis simplement que grâce à Docteur Maboule, je sais faire quelque chose. Pourtant, c'est bon, j'ai rajouté scientifique. C'est bon, les boules de mammouth. Alors, une couille de mammouth. Avec une boule de mammouth. Vous vous souvenez ça? À 22, vous aimez les boules de mammouth. Les verts, les bleus. 22, il aime les boules de mammouth. Merci à 1€ pour 1€. Prends un bras, ouais, je crois que je vais faire. De quoi? Ça vous intéresse la police scientifique? Non, mais sinon. Ça tire à la casse, ça tire à la casse à l'intérieur de la ça prison. Ça tire à la casse dans la prison. Tirez, rentrez dans la prison et abattez-les. Billy, attendez que tout le monde arrive, partez pas tous en même temps. Faites que deux, attendez tout le monde. Regarde la DO ici. Eh hey, putain, ils tirent de partout, c'est possible d'avoir des renforts, oui ou non? Patientez, on arrive. Skiat, on arrive. Patiente, 52. Eh, on peut pas se téléporter, 52. On peut pas se téléporter. Clean radio. Déployer. Danger, on est en danger, hein. Ça nous tire dessus, au missile. Vous derrière les véhicules. Cachez-vous le plus loin possible. Putain, je me prends des missiles dans la gueule là. Faudrait une unité quand même sur le braquage, au moins une seule qui fasse temporisation là-bas. Sur le braquage. Allez-y. On peut pas, on est déjà arrivé.
sors, tu tournes à droite, à gauche, tu refais des trucs encore, tu repasses dans des ruelles, etc. Tu vois. Ah non, je crois que là, tu t'es trompé. Après, tu peux sauter toujours, mais bon. Voilà, oh ouf. Attends, Gérald le fait aussi. Oh merde, j'ai des gens. Oh merde. Ouais, je... Ah, il va mourir avec son bazooka. Ça va, Rosa. Oh, je suis mort, wesh. Non. Ouais, pardon, j'ai pas fait exprès, j'avais pas vu qu'il y avait le machin. Qu'est-ce que tu fais ici, Conan ? Bah, j'ai pas fait exprès, j'étais en haut, en fait, je conduisais. Ah ouais, et toi, tu fais des grands sauts. Bah, j'ai pas fait exprès, justement, j'ai pas réussi à m'arrêter. La vie, c'était Fast and Furious. J'ai pas réussi à m'arrêter. Quand, ouais, ok. Quand tu prends ton... Oh non. Oh c'était un mec. Oh, tu l'as eu. Ouais, mais attends. Non, mais non, c'était un... Vie, toi, c'était un mec. Oh, je suis vraiment des... Ah, vous êtes sérieux, là? Oh, ce qu'il a pris, mon frère, par contre. Ah merde, vraiment désolé. Ah, Bilal. La réponse E. La demandez réponse quand vous, je l'ai vécu. Est-ce que c'est votre dernier mot? Attendez, c'est la presse. C'est mon dernier mot, Tyrion. Et c'est une mauvaise réponse. Oh, vous écoutez quand je parle en radio, ça se passe comment? Je suis éclaté, putain. Eh, hey, reculez les véhicules au niveau des trottoirs. Là. Ouais. C'est Mason, là? Non, c'est Craig. Ah, et je veux un véhicule qui s'occupe de l'otage quand ils vont partir, et les autres, vous suivez le véhicule. 2-4. Elle est où la chapka à Kennedy? Elle est où? La chapka, faut que je la mette, attends. Je vais la mettre. C'est dans quoi déjà? Accessoires, chapeau casque, c'est bon, j'ai la chapka là-bas. Pas lui. Mais non, c'est moi. Wouhou. Madame, je veux bien rigoler, mais sauf que vraiment là, je suis pas d'humeur. Je viens de me faire prendre en otage, je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je pensais que c'était une blague à la base. Mm-hmm. Pas du tout. Trop ventre, et toutes les unités sur le braquage vont monter dans les véhicules. À côté, ouais. Genre juste à côté à droite. Ouais, bah. Allez, toi, on doit toi, monter tu vois, dans les véhicules là. On y va, pourquoi? Y'a quoi? On y va, je sais pas. Ok. Espèce de Gaoria. Gaoria! Mais c'est quoi cette insulte? Non, ça va pas? Total sérieux. Non, écoutez, je suis totalement sérieux, j'ai fait aucune connerie. Je sais pas d'où il dit que j'ai rigolé, genre en mode je suis arrivé devant la bijouterie, j'ai rigolé avec le braqueur, je comprends pas. J'ai jamais dit ça, vas-y, c'est bon. Ah, non, arrête de parler de ça, c'est bon, ça m'a gonflé. Mais moi je suis gonflé le premier, je suis dérangé par votre bon, histoire. Bon bref, là vous faites... Ah, c'est bon, arrêtez. Ah, non, mais c'est trop, ça, toujours mon blaze. Reprenez trop, une fin de service, je m'appelle. Bon, écoutez. 93, fais le dispatch correctement, s'il te plaît. Un cadet officier. Oh, regardez, je m'excuse, je me suis emporté, vous êtes mon supérieur, je m'excuse. Tu les patrouilles dans tous les secteurs. Ok, voilà. Si t'étais pas en train de rigoler, je m'excuse aussi. Non, vraiment, j'ai aucun souvenir d'avoir ri ou de pas avoir déplacé un véhicule. Ok, bah, c'est autant bon, pour moi, bon, je retire bon, ça, ok. Tu peux prendre ta fin de service. Merci. 24, ah ouais, on n'est pas des salopes, nous. C'est bon. Ouais. La phrase de trop, Billy, la phrase de trop. Mais de quoi? Viens avec moi, Billy. Mais je parlais tout seul, non, mais c'est trop là, je parlais tout seul. Non, c'est pas moi, c'est celui qui est derrière, il te parle. Hein? Derrière toi. Quoi derrière moi? Où ça? Où ça derrière moi? Il est? Ouais? Derrière toi. Ah. 14. Ah non, c'est trop, mais je parlais tout seul, ouais. Mais vraiment, j'ai pas droit de vivre ici, c'est trop. T'auras beaucoup de travail ce soir pour ta division, mec. Ouais? Pardon? Non, il parle à moi, il parle à moi. Hop, pour ta division, ouais. Viens avec moi, Billy. C'est quoi cette parole là que tu viens de me sortir là? On n'est pas des salopes, je sais pas quoi? Ouais, du coup, dis-moi 24. Non, mais je parlais tout seul. Non, mais là, vous pouvez pas me dire ça. J'ai dit ça, j'avais franchi la porte limite. Je parlais tout seul. Regardez, pour prouver ma bonne foi, je sais plus j'étais avec qui, mais si vous retrouvez la personne, demandez-lui sa version des faits. Vous allez voir qu'il va dire hein. Mais au pire, genre, c'est pas quoi, c'est pas grave. Juste, je t'ai dit quoi? Non, mais vraiment, calme c'est ton trop. Vocabulaire. Calme ouais, ton vocabulaire. Non, mais faut que je me calme. Mais là, comprenez que les nerfs commencent à monter parce que vraiment, oui, j'ai rien allez, fait. Tu peux y aller, Billy. Tu te calmes juste. Ok, excusez-moi. La prochaine fois que je te vois dire ça, tu dégages. Non, mais par contre, je parlais tout seul. Tu as beaucoup trop de chance, Billy. Hein. Je te rends compte ? Ouais, excusez-moi, mais je parlais tout seul, vraiment. Genre, je m'adressais à personne. Là, j'ai traité personne de salope. Mais évite quand même, parce que t'es dans la salle de dispatch et ça peut être mal pris, t'as vu. Ouais, excusez-moi, je pensais pas que vous alliez entendre. J'étais limite à la porte, genre. Allez, vas-y.
Alors, okay. 15, beaucoup de... Je l'aurais dit ou pas? Ah ouais, et du coup, il a... Mais non, frère, on est là, aucune sauce, plutôt. Ah, Billy, s'il te plaît, là, explique-moi un truc. Foutez quoi avec cette tenue? Frérot, je me promène, frère, j'ai le droit de me promener. Mais tu te promènes comme ça, toi, maintenant, avec un taser, des bottes de... des chaussures de lutin, pantalon costard, tu me disais bien? C'est trop. Lunettes de tir. Non, j'avoue, les chaussures, elles sont chaudes, mais t'inquiète, mon ref. Franchement, même mon crush à ma droite, elle est encore plus fraîche que toi, c'est bon maintenant ou pas? Mia, ça dit quoi avec Mason d'ailleurs? Mia. Elle a pas l'air très enthousiaste vis-à-vis de toi, Mason. On en parle de ta gonzesse à toi? C'est pas ma gonzesse, frère. Hein? Mais Kennedy, Kennedy! Ils sont pas en dispatch. C'est le patron, et nous on croit pas trop. À la chicha sous ballon, tu te parles, t'as des mythos. Tu racontes que...